Marion Rousse est une personnalité de la télévision que l'on ne présente plus. Consultante de France Télévisions depuis 2017, elle est également la directrice du Tour de France Femmes depuis 2022. C'est le 1er juillet prochain que la 109e édition du Tour de France cycliste, organisée dans le cadre de l'UCI World Tour 2022, va débuter. Pour cela, la commentatrice va se rendre à Copenhague. Sans son compagnon, Julian Alaphilippe. Un départ qui risque d'être difficile pour elle puisqu'elle laisse aussi Nino, leur petit garçon né en juin 2021. Ce mardi 28 juin, elle a souhaité profiter d'un moment en leur compagnie et n'a pas hésité à le partager dans sa story Instagram. Dernier jour avant de partir au Danemark sans mes hommes, a-t-elle écrit en légende d'une photo prise autour d'un lac. Sur un autre cliché, on peut les voir se tenir la main et sur une dernière, Marion Rousse affirme, ces deux petites têtes vont bien me manquer. Une séparation de 3 semaines qui va être compliquée pour la jeune femme, tout comme pour son compagnon. Le 14 juin 2021, Marion Rousse a donné naissance à son petit garçon, prénommé Nino. Il est le fruit de son amour avec le cycliste Julian Alaphilippe. Très heureuse depuis sa naissance, la jeune femme enchaîne les publications en sa compagnie. Toutefois, quelques temps après son arrivée, elle était ravie de retourner au travail. En effet, le 24 juillet 2021, elle avait partagé une photo sur laquelle elle expliquait se préparer pour commenter les Jeux Olympiques dans quelques heures. Retour aux commentaires pour les Jeux Olympiques, 4h-11h du matin, avait-elle d'abord écrit en légende. Par la suite, la jeune maman avait fait un petit clin d'œil à son Nino. Merci bébé Nino d'avoir entraîné maman ces dernières semaines, mais si est bon maintenant tu peux faire dodo, avait-elle ajouté avant de préciser, ah oui si est toujours aussi bon de commenter. Point même si cette nouvelle séparation va beaucoup la chambouler, nul doute que Marion Rousse est impatiente de faire ce qui la passionne. Commenter le Tour de France. Marion Rousse, pourquoi n'est-elle pas accompagnée de Julian Alaphilippe? Passionnée de sport, si est-il grâce à sa passion pour le vélo que Marion Rousse a pu faire la rencontre de l'homme avec qui elle partage maintenant sa vie. Si est-il sans lui qu'elle va se rendre à Copenhague. En effet, Julian Alaphilippe n'avait pas été sélectionné pour ce Tour de France suite à sa lourde chute. Je suis déçu de ne pas être au Tour de France cette année. Manquer une autre occasion de porter mon beau maillot arc-en-ciel dans mon pays d'origine est très triste pour moi, avait-il rapidement réagi. Toutefois, il avait assuré comprendre les motivations de ses dirigeants. En même temps, je comprends tout à fait cela, car moi aussi je ne veux pas être au départ si je ne peux pas être à mon meilleur niveau. Si est-il donc depuis son écran qu'il suivra ce départ.